Bonjour Michel. Ça va Caroline? Ça bonjour. Ça va et vous? Ouais. Bon, je vois que vous êtes levé tôt ce matin, vous êtes déjà en cuisine. Très tôt, parce que là c'est comme du sérieux aujourd'hui. Waouh. Et justement, comment vous avez élaboré ce menu de Thanksgiving? J'ai eu la chance de souvent préparer ce menu dans les palaces où j'ai travaillé, donc avec une grosse clientèle américaine. Donc en respectant bien sûr la tradition. Et donc ce soir, je propose en entrée un crab cake aux agrumes, cette fameuse dinde un peu cuisinée à ma sauce. Et pour finir, l'incontournable tarte au potiron. Oh, magnifique! Vous savez, Michel, que moi, je n'ai jamais participé à cette fête de Thanksgiving, qui est, je crois, l'une des plus importantes aux États-Unis. Oui. Donc, je suis particulièrement curieuse et enchantée de découvrir ce menu. Ah ben, ça va être la fête. Si Michel Roth connaît les secrets de Thanksgiving, c'est parce que chaque dernier jeudi de novembre, cette fête traditionnelle américaine, symbole de partage et d'abondance, est aussi la fête de la gourmandise. Et ils sont 310 millions d'Américains à l'attendre avec impatience chaque année. Son origine remonte au fondement du rêve américain, au XVIIe siècle. En rupture avec l'église anglicane du Royaume-Uni, les premiers colons britanniques abordent les côtes du Nouveau Monde. Mais mal équipés pour affronter la rudesse de l'hiver, ils ne doivent leur salut qu'à la bienveillance de leurs voisins indiens, qui leur apportent nourriture et leur apprennent à chasser. Ayant survécu au premier hiver, les colons reconnaissants décident de rendre grâce à Dieu, au cours d'un dîner auquel ils convient leurs bienfaiteurs. Il faut attendre le 19e siècle pour que cet épisode devienne une fête célébrée par toute une nation. En 1863, en pleine guerre civile, le président Abraham Lincoln décrète ce jour fête nationale, symbole de réconciliation entre États du Nord et du Sud. Depuis, c'est cet acte fondateur que les Américains célèbrent en famille, avec au menu du jour, le potiron sous toutes ses formes, en pain ou en tarte avec la célèbre pumpkin pie. Mais au centre de toutes les attentions, la traditionnelle dinde de Thanksgiving. Michel, on commence à préparer cette fameuse dinde de Thanksgiving. Oui. On imagine parfois une grosse dinde comme ça qui passe du temps au four, ça peut un peu assécher la chair. Il y a quand même ce côté moelleux qu'il faut préserver. Mm-hmm. Je vais la rôtir, mais en même temps, on va l'arroser souvent, mais j'ai une autre astuce. Je vais soulever la peau de la poitrine et je vais rajouter du beurre en pommade avec des herbes. Alors, avec les doigts, on va décoller. Oui. La peau. C'est technique hein, quand même ce que vous faites là, Michel. Il faut vraiment être très délicat, faut surtout pas faire des trous dedans, parce que ça voudrait dire que le beurre passerait à travers et on aurait plus le gras qui nourrit la chair. Voilà, donc là, vous voyez, à l'aide d'une poche, donc j'ai mis le beurre bien mou, et là, voilà, j'appuie, j'étale quoi. Ouais. Vous voyez ? Pareil de l'autre côté, pour arriver jusqu'au bout. Hein, voilà. Ou presque, pas tout à fait, vous dites jusqu'après. Oui, parce qu'après, il ne faut pas l'abîmer. D'accord. Voilà. On ne peut pas dire qu'on s'en occupe pas de cette dinde, on la bichonne. Alors, je vais tester l'épaisseur de beurre. Voilà. Ah oui, il y a une bonne épaisseur quand même. Hein. Bah, il faut quand même de 3 mm. Et la peau bien lissée comme ça sur le beurre. C'est impressionnant, hein, de tout voir en transparence comme ça, c'est chouette. Oui, hein. Ouais. Donc là, vous allez pouvoir la farcir. Oui, donc on a des marrons, on a des oignons, du beurre, des herbes, de la mie de pain, de la crème. Voilà, c'est une farce très légère hein, avec du pain. Moi, j'aime bien comme ça, un peu traditionnellement. Au bout oui, je suis au bout. Ouais, ok. Oui. Il faut bien la farcir partout. Quoi. Voilà, là, je suis pas mal. Donc là, maintenant, on va la coudre. Donc l'idée, c'est quand même qu'elle soit bien emmitouflée. Enfin, vraiment, il faut que les chairs Faut qu'elle soit bien fermée, quand même. D'accord. Ouais. Qu'on puisse justement protéger la farce et que ça cuise un peu à l'étouffer. Mm. Donc là, on fait un peu... On monte et après, on redescend, comme ça. On croise. Voilà. Donc là, je vais juste couper là et là. Mm-hmm. Un petit nœud. Un petit nœud. Un double nœud. Un double nœud. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Donc maintenant, on va la brider. Michel, quand vous dites brider la volaille, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça. Alors, c'est une façon de la ficeler pour qu'elle, qu'elle se tienne bien droite, comme on dit. Mm-hmm. Qu'elle bouge pas pendant la cuisson. D'accord. Donc là, on fait pareil. On passe
dans l'épaule. Là, faites attention aux doigts. Hein. Dans l'aileron. Ouais. Ensuite, avec le lit, on passe, on pique dans la cuisse. Mmh. Bah, dans les cuisses, on traverse en fait. On récupère. Et là, on a les deux bouts qui se rejoignent. Et là, ouais, ça lui donne une belle forme. Tout se resserre. Donc là, elle est prête à cuire. Et on va la mettre au four, sur une plaque, directement dans un four chaud, à 180 degrés. Pour une durée de combien de temps à peu près? Là, il faut environ 1h30. C'est vraiment la réussite d'une dinde, c'est ça. C'est la cuisson et le moelleux de la chair. Hop. On va la mettre au four. Je vous laisse la mettre au four. Vous ouvrez le four. Merci, Caroline. Au four. Et là. Bye bye. Dès l'origine, la cuisine américaine est à l'image de cette terre d'immigration, une cuisine de mélange. Elle trouve ses racines dans les produits que les pèlerins découvrent au contact des tribus indiennes et dont ils tirent vite parti. Au XVIIIe siècle, la Nouvelle-Angleterre devient un carrefour commercial incontournable. Réputée pour ses terres riches, elle offre aux colons une variété de produits inconnus jusqu'alors. La célèbre dinde de Thanksgiving, mais aussi le homard, clams, huîtres et poissons de l'Atlantique. De tous ces nouveaux produits, c'est incontestablement le maïs qui deviendra l'élément essentiel à la survie des colons. Grâce aux Indiens, les pèlerins apprennent à le cuisiner en bouillie ou même à le manger directement sur l'épi. Le corn on the cob, l'un des mets préférés aujourd'hui encore aux États-Unis, est né, au point de devenir un ingrédient typique de la gastronomie américaine. Deux siècles après l'arrivée des colons en Nouvelle-Angleterre, un certain John Harvey Kellogg en fait même un produit phare du petit déjeuner. Ah, c'est magnifique, Michel, hein ? Ah, je suis très très impressionnée moi par la transparence de la peau effectivement et ces herbes là qui ressortent à travers, c'est magnifique. Hein. C'est comme ça que je la voyais, mais je suis content. En plus, c'est vrai que on sent les parfums de la dinde, bien sûr, mais des herbes. Et là, rien qu'au toucher, on voit qu'elle est bien, bien moelleuse, la chair. Ça va, ils vont se régaler. Bon, bah parfait. Bon, bah, on va la remettre au four. Et hop, et on n'oublie pas de l'arroser tous les 10 minutes environ. Allez, ma jolie dinde, au four. Ça sent vraiment bon dans le pays. Super. Ça va, on va passer à l'entrée. Eh bien oui, cette entrée. C'est crab cake aux agrumes, Michel. Ça va être excellent. Que c'est? Alors c'est de la chair de crabe, du king crab. Impressionnant. C'est vraiment les crabes qui sont énormes. Oui. Ils ont un corps comme ça avec on voit tout de suite les pattes. Oui, c'est énormes. Ça. Donc on imagine, on ajoute le corps, puis encore les pattes. On arrive à un truc. Ça peut faire peur à mon avis. Hein. Donc un pas fait voir aux enfants. Hein. Et ça se pêche où, ces king crab? Alors dans les eaux froides, en Alaska. C'est pour ça aussi qu'on l'appelle le crabe des neiges. Crabe des neiges, c'est joli ça. C'est joli. Hein. Regardez voir déjà comment, en l'espace de à peine de 2 minutes, c'est la couleur. Tout rouge. Tout rouge, un peu orangé, c'est joli. Hein. Oui, oui, c'est une belle couleur, couleur corail. Couleur corail, exactement. 8 minutes, il n'y a pas de problème. On retire, on fait attention de ne pas se brûler, c'est très chaud. On va le laisser refroidir quelques minutes pour qu'on puisse le décortiquer. Mais c'est mieux de le décortiquer quand il est encore tiède ou un peu chaud, parce que quand il est froid, c'est plus difficile. Donc la différence de goût avec un crabe tel qu'on les connaît, c'est vraiment présent, c'est vraiment très différent. Il y a vraiment une différence, oui. Mm-hmm. Là, au niveau de la texture en bouche, on a plus de mâche, de chair. Mm-hmm. La finesse aussi, je trouve qu'il est plus fin, ce crabe-là. Par contre, il est moins iodé que le tourteau, par exemple, qu'on a l'habitude de manger. Et je coupe dans le... Allez, regardez ça. Waouh. Et voilà. Donc, on a tous les produits. Donc là, il nous reste la mayonnaise. Hein. Ah, la mayonnaise. La fameuse mayonnaise. Ah, donc, attention, hein, Michel. La mayonnaise, c'est quand même particulier dans les familles. Hein. C'est une recette qui se transmet souvent, se garde précieusement. Enfin, moi, en tout cas, elle vient de mon grand-père, qui l'a transmise à ma mère, qui me l'a transmise. Ouais, c'est ça. Donc, c'est... C'est le tour de main, quoi, de chacun. C'est ça. Famille. Ouais, petite recette, voilà, l'assaisonnement. Enfin, bref, c'est particulier. En tout cas, on va chacun faire la nôtre. Hein. Ah oui, attention, c'est bon. C'est ce qu'on compare. Hein. Ah oui, chef. Pas de problème. Bon, et alors pour les ingrédients, moi, j'utilise, comme tout le monde, jaune d'œuf, vinaigre, moutarde, vous aussi? Non. Alors, non. Moi, je commence par un jaune d'œuf, de la moutarde, sel, poivre et de l'huile. Je ne mets pas de vinaigre. Ah, pas de vinaigre? Non. Ah, tiens, non. Ça, c'est déjà quelque chose qui change.
c'est bien pour le bras, ça, ça donne un peu de force. Mais attendez, excusez-moi, moi je suis hyper concentrée. J'ai une pression d'enfer. Je suis quand même en train de cuisiner une mayonnaise face à un chef étoilé, donc je ne vais pas me louper. Vous n'allez pas m'entendre. Pas une pareille, alors qu'on prend les mêmes, bon, on a pratiquement les mêmes ingrédients. Bon, ben voilà. Elle hein, on arrive au bout. C'est vrai qu'au niveau texture, allez, elle est plus consistante. Je teste. Oui. Je peux goûter. Ah ben oui, je vous en prie. Vous avez gagné. C'est vrai? Ah ouais, ouais. La texture, elle est bien épaisse, elle est brillante. Elle est... ah, vous êtes bravo, bon Caroline. C'est moi qui ai gagné. C'est génial. Ben, je suis très contente. Oui, vous avez gagné. Donc là, j'ajoute à la chair de crabe les oignons rouges finement ciselés, les tiges vertes ciselées également, jus de citron jaune et vert, l'aneth que oui. J'ai effeuillée, voilà, les petites pluches bien. Aussi, un peu ciselées quand même, d'accord. On va mettre de la mie de pain. La mie de pain. Pareil, on va en mettre... ah oui, peut-être pas tout. Un petit peu. Bon, donc là, je vais mélanger. Donc avec déjà la chair de crabe qu'on avait réservée. C'est beau les couleurs, là. C'est beau, hein, ouais. Je pense qu'on peut encore mettre un peu de votre mayonnaise. Et Michel, cette entrée, vous allez la servir avec quoi? Alors, j'ai prévu une vinaigrette au jus d'orange. Émulsionnée à l'huile d'olive. Ma vinaigrette, elle est à base de jus d'orange. Je l'ai fait réduire de moitié en y ajoutant du miel. Quand c'était bien sirupeux, je l'ai débarrassé pour que ça refroidisse. Pendant ce temps-là, j'ai pressé un citron vert et j'ai versé le tout dans un mixeur. J'ai assaisonné sel, poivre. J'ai mixé en ajoutant l'huile d'olive. Une fois que ça a bien monté, j'ai incorporé des zestes de citron vert et de pamplemousse. Il y a la force quand même. Oui. Ouais. Bien fait réduire. Ça concentre. Bah, d'où ça, c'est original. Ce crab cake aux agrumes. Là. Comme ils ont quand même un plat de résistance assez copieux. Donc là, avec un emporte-pièce. Voilà. Vous formez les petits gâteaux. Les petits gâteaux. Mmh. Et voilà, après, les moules. Voilà. Un tout petit peu de gras, que ce soit bien. Faut que ça fasse un peu friture, quoi. Sachant que ça risque aussi de. Ça peut sauter un peu. Bah oui, comme il y a du. Oula. De l'humidité dedans et que tout ça, ça part. Vous le disiez. Il faut combien de temps à peu près de cuisson pour chaque face? Oh bah, il faut 2-3 minutes parce qu'en fait, c'est vraiment pour donner le côté croustillant et moelleux à cœur. Ça se tient bien en tout cas, hein. Là, ça va, vous êtes content, hein? Oui, ça va. Là, on arrive à la fin de la recette, Michel? Oui, ben on est pratiquement... Oui, alors là, on a plus qu'à faire le dressage après. Oui. On a notre jus d'orange, on a nos crab cakes. Après, c'est les agrumes, la décoration. Le dressage à la Michel Roth. Oui. Le crabe, là, les manchons, parce qu'ils étaient quand même très jolis. J'aime bien qu'on retrouve tout naturellement les ingrédients. Ça ferait ça, quoi, si je le tourne comme ça. Très jolie harmonie. Est-ce que ça vous plaît? Oui, moi, oui, je suis content. Bon, eh ben, c'est parfait. J'aime bien les couleurs, l'harmonie, et surtout que le crab cake est toujours bien présent. Il est mis en valeur. Hein? Bon, bah, écoutez, je pense qu'on va aller accueillir nos invités, Michel. Voilà. Allez, on y va. Alors, Michel, je vous présente nos invités. Donc, Alec Lobrano, vous êtes américain, vous êtes critique gastronomique et descendant d'un passager du Mayflower. En effet, oui. Waouh, on est impressionnés. Wow. Hein. Adrien Lerme, vous êtes historien et spécialiste de la culture nord-américaine. Oui, je sais. En tout cas, bienvenue dans notre demeure pour cette belle fête. Merci. Happy Thanksgiving. Voilà. Happy Thanksgiving. À tout de suite. Très bien, à tout de suite.
Donc, j'ai entendu qu'on disait aux États-Unis que Thanksgiving, c'était le seul jour dans l'année où on mangeait mieux que les Français. La qualité, ça dépend de foyers. Je pense qu'on mange beaucoup mieux aux États-Unis aujourd'hui qu'auparavant. Ça, c'est bien un crab cake. Et ça, c'est un plat phare de la ville de Baltimore, sur la côte Est. Mm-hmm. Michel, voulez nous peut-être nous présenter votre entrée? Oui, donc c'est un king crab qui a été assaisonné avec de l'oignon, de la nette, une mayonnaise extraordinaire, la meilleure du monde, faite par Caroline. Ah. Voilà. Merci Michel, voilà. Bon appétit. Merci. Oui. Alec, les colons, quand ils arrivent sur la côte atlantique en 1621, est-ce qu'ils se mettent à manger du crabe? Ils le découvrent aussi à ce moment-là? Je ne pense pas qu'ils étaient vraiment réputés pour leur art de vivre ou leur grande joie quand ils passaient à table. Ils étaient là pour se priver de tout. Donc, pour eux, manger, c'était pour se nourrir. C'est l'idée de prendre plaisir à table, c'est quelque chose qui est arrivé. Qui leur a échappé. Oui, complètement. Puis ils n'avaient pas tout pour cuire. Hein. Au départ, le manque d'ustensiles faisait que les choses étaient assez limitées. Mais la nourriture très abondante sur les côtes. Le mythe de Thanksgiving, c'est ce repas qui réunit les colons et les Indiens. Quelle relation ils avaient vraiment? Est-ce qu'ils s'entendaient aussi bien? Est-ce qu'il y avait vraiment cette harmonie? Je pense que c'était... Il y en avait une certaine méfiance, mais ces Indiens-là étaient des Indiens qui avaient déjà l'habitude de voir des Européens, parce qu'il y en avait des pêcheurs qui ont fréquenté cette côte. Donc, d'où est venu le célèbre Indien qui s'appelait Squanto. Oui. Et Squanto est une grande figure de légende de Thanksgiving parce qu'il était le traducteur entre les pèlerins et les Indiens. Mmh. Il parlait toutes les langues. Et donc, c'était lui qui a été à plus ou moins le premier grand diplomate aux États-Unis entre les Indiens et les Anglais. Et par ailleurs, des Thanksgiving, il y en a eu plusieurs. Mmh. Parce que c'est une fête à la fois religieuse, biblique, et puis une fête aussi politique, dynastique, qui servait notamment la couronne d'Angleterre de célébrer des événements particuliers, une victoire militaire, une naissance royale, un couronnement, tout ça pouvait donner lieu à des actions de grâce. Mmh. Et chez les colons anglais, en fait, il y a eu plusieurs Thanksgiving, et c'est celle des pèlerins qui a pris le pas, pour en faire une fête marqueur culturel. Avec du popcorn, ça c'est super ça. Mmh. Très très beau, merci. Bon déjà ça se découpe bien, hein. Je sens du moelleux Michel. Hein. Ouais. Est-ce qu'aux États-Unis c'est une recette qu'on peut imaginer, une dinde farcie au marron hein? Ça c'est le gourmandise qui est peut-être arrivé plutôt vers les colonies de souche germanique, parce que les marrons ne poussent pas trop dans la Nouvelle-Angleterre. C'était plutôt dans les habitudes alimentaires des gens qui sont venus de la vallée du Rhin. Et quand la Philadelphie, qui a été fondée par les Anglais, a basculé et devenu le plus grand ville allemand au monde en dehors d'Allemagne, la cuisine de la ville a complètement changé. Et quand on regarde dans les livres de recettes, eux, ils en mangeaient plein, mais il n'y en avait pas trop dans la Nouvelle-Angleterre. Ce que je voulais demander, ils ne faisaient pas de farce, en fait, à l'époque. Alors, c'est venu après, au 18e siècle. Cette fameuse farce à l'américaine. Avec du pain, voilà. Et des huîtres. J'ai lu ou des qu'aux États-Unis, on pouvait manger de la dinde farcie aux huîtres. Oui. Vous avez goûté, déjà? Moi, non. Non. C'est très bon. C'est vrai? Très bon. Mais ce qu'ils font aussi, il y a des variétés à l'infini de la farce. Et dans les régions hispanophones comme Arizona et le Nouveau-Mexique,
Là aussi, ils font une farce avec de la farine de maïs, des piments, d'autres produits, d'autres produits qu'on trouve pas là. Adrien, j'ai lu qu'aux États-Unis, il y avait une coutume qui s'appelle le pardon présidentiel pour les dindes. De quoi il s'agit ? Depuis George Bush père, les dindes qui sont présentées au président de façon officielle, les deux dindes qui sont présentées par l'association des producteurs de volailles, sont graciées. On leur donne un nom. Mmh. Et ensuite. Et des noms de quel genre Par exemple, les deux dernières, c'était Popcorn et Caramel. Ah, voilà. Michel, vous étiez Popcorn dans ou Caramel. Ouais. Avec la dinde. En fait, c'est des vraies stars, quoi. Ce sont des stars. Et finalement, deux sont sélectionnées in fine et sont graciées. Et puis, alors, le lendemain, elles partent soit dans des zoos, soit dans des fermes. Mmh. Et puis, entre 2005 et 2008, sous Bush fils, elles partaient dans l'un des parcs d'attractions de Disney. En première classe sur United. Moi, je dirais, il vaut mieux être mangé que partir dans un parc de Disney. Alec, vous venez avec moi en cuisine pour le dessert ? Absolument. Ah, ça c'est merci beaucoup. À tout de suite. À tout de suite. Bah, c'était absolument délicieux. Bon, bah maintenant, on va passer au dessert. On a allez, on va aller ma cuisine avec Caroline. Voilà, une très belle tarte. Ah, bah, je vois que vous avez tout de suite les yeux sur le plus important. Ah, ça se voit, mais ça n'a rien à voir avec le pumpkin pie. Ça, c'est vraiment très raffiné. Hein. Donc, là, chez vous ou alors aux États-Unis, que vous avez travaillé à partir des vrais produits déjà. Oui, c'est pas le petit marron en boîte, comme non. Et qu'est-ce que vous avez mis au-dessus, là ça, c'est alors, c'est le glaçage de potiron. D'accord. Qu'on a légèrement délayé avec du sirop, juste pour mettre un peu dessus, pour faire briller, pour donner un petit peu de nappant, quoi. Vous pouvez en mettre un peu dans l'assiette, si d'accord. Vous voulez. Alors, j'ai préparé aussi une petite sauce caramel. Bien travaillé hein, tous les deux. Michel, tarte au potiron, je pense qu'on ne pouvait pas finir autrement. Mm-hmm. Avec de la muscade, du gingembre, un peu de safran, un peu de quatre épices, de la cannelle quoi. Parfait. Voilà, très appétissant. Respectant toujours la tradition. Bonne gourmandise. Merci. Est-ce que vous pensez que le safran était présent à l'époque dans je le nouvel an? Le safran, non, moi non plus. Pas, oui, non. Oui. Donc c'est comme l'estragon, c'est la petite touche du chef, la surprise, comme on dit. Et il n'avait même pas de pâte, en fait. La pâte n'est venue qu'au XVIIIe siècle, quand il y a eu des fours, etc. Mmh. Au départ, on utilisait la peau du potiron, enfin plutôt l'écorce du potiron, pour faire la pâte. Pour faire le support, quoi. Ouais. Ah, c'est drôle, ouais. Voilà. Ouais, c'est drôle, quand même. Alec, la tarte au potiron comme la dinde farcie sont des plats généreux, enfin qu'on partage, des plats de partage. Hein, c'est aussi ça, Thanksgiving, il y a cette notion de partage et en famille. Moi, je suis de la Nouvelle-Angleterre, mais si j'habitais en Alaska, je rentrais pour le Thanksgiving. Oh oui. Et c'est la fête où le plus des gens voyagent, les avions, les trains et tout ça sont absolument c'est noir du monde. C'est vraiment la première fête des États-Unis. Alors. C'est ça. Pour finir, est-ce que vous pensez qu'on a rendu hommage à cette belle fête, à ce repas On a rendu hommage surtout au Thanksgiving, mais aussi à l'amitié franco-américaine. Mmh. Si les Américains s'intéressent à la gastronomie aujourd'hui, c'est grâce aux Français. Ça, c'est un bel hommage, Michel. C'est un bel hommage et ça veut dire qu'il y a une belle complicité entre ces deux pays. Et c'est grâce à la gastronomie, wow. Je suis fier, je suis content. Mais ouais. On est content.